Enfin, ça c'était sur droitier. Sur gaucher, mon spécial c'est sauder. Donc, pour sauder, moi j'attends que mon partenaire il ait saisi mon revers. Ensuite, la manche, je la prends pas de façon classique comme ça. Je la prends pas comme ça la manche, je vais la prendre par en dessous. Une fois que je l'ai prise par en dessous, le plus important pour placer le mouvement, c'est d'enlever cet appui en fait. Et pour l'enlever, il ne faut pas simplement faire comme ça, parce que généralement c'est solide. Donc là, c'est pas possible. C'est pas possible de le lancer sauter. Alors ce que je fais, c'est que je viens tirer un peu à moi. Et une fois que j'ai amené sa main un peu loin, en fait, je viens faire comme si je faisais un petit peu mon roté, mais sur le poignet. Ce qui fait que bah, c'est obligé de lâcher. Du coup, quand on vient là, ça pète tout seul. Et ensuite, je viens faire une rotation en fait. Je vais faire une rotation, c'est pas un taïsabaki comme sur les autres mouvements, c'est juste une rotation. Et les deux pieds, pareil, sur la même ligne. Ouais, les deux pieds sur la même ligne. Ouais, c'est vraiment simple comme mouvement. Le seul point compliqué sur le mouvement, là, c'est juste de faire lâcher le revers. C'est juste le point compliqué. Après, c'est sur le pied. Et pour faire lâcher le revers, alors, c'est pas la manche. Enfin, c'est pas une bride de lance classique. Voilà, non, pas un pistolet. C'est vraiment. Pistolet, c'est interdit. C'est pas comme ça en fait. C'est pas un pistolet. C'est juste, en fait, on vient prendre la couture. On vient prendre la couture. Comme ça, bah, ça permet de faire lâcher comme ça. Et il bloque bien le bras à lui, il le ramène à lui. Donc je ramène bien le bras à moi. Et en fait, on vient prendre un peu de. Et là, c'est un peu dans le cercle. Oui. C'est un peu dans le cercle. Hein. Complètement, ouais. Ouais. Je vais une dernière fois pour montrer. Alors ensuite, là, on est sur gaucher. Je tends bien. Je tends bien le bras. Pareil, les partenaires, soyez pas tout mou. Soyez bien droit. T'as vu comment je le cercle ? Voilà. Et il a son appui, tu l'as collé à toi, lui son réflexe ça va être de tirer un peu. Voilà. Et là, donc que tu tombes sur ton pied gauche là. Oui, sur la planche. Et après, moi j'ai pas parlé des détails et tout, mais j'oriente mon pied en fait. Là, parce que moi je suis en gaucher, je suis comme ça, pour revenir sur le tuto. Le moment en fait, le moment où je viens là, j'oriente un peu mon pied.